C'est un canapé convertible. Ouh. Il se déplie. Oh, génial. Où est ta salle de bain? Là. T'as pas de baignoire? Non. Et à l'étage? Non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe les filles? Vous avez fait une fugue ou quoi? En fait, on va en Floride. Tout ce que t'as, c'est de la moutarde et des poulets. Et qu'est-ce que vous allez faire les filles en Floride? Je vais être la nouvelle Cendrillon à Disneyland. Susanna sera Blanche-Neige. Tu peux venir si tu veux. Tu pourrais être la coquère qui mange les spaghettis. Je vais faire des crêpes. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Demain matin. Je vais faire des crêpes demain matin. Il y a un magasin au bout de la rue. Les poêles sont sous l'évier et les couverts dans le tiroir. Vous avez de quoi vous retourner là-bas, en Floride? Des amis? De la famille? Quoi que ce soit? Ouais. Tiens, c'est pour te faire tes crêpes. Faites pas trop de bruit, demain matin je vais me dormir tard. Je me lèverai quand je serai prête. Donne-moi le Valium. On n'a pas besoin de l'argent de ton père. T'as qu'à pas le prendre, donne-moi ce putain de Valium. C'est quoi ça? Fous-moi la paix! T'as traîné les couverts? Lâche-moi! T'as peur de moins plaire à ton père, hein? Lisa! Tes propres bras, pauvre conne! Mais je suis folle, Dizzy. On le sait tous! Mais toi, t'es ici en convalescence à jouer les petites ménagères, les bras découpés comme des jantons. Lisa, arrête, je t'en prie, ok? Dis-moi, Dizzy, avant tu prenais pas de Valium. Dis-moi comment cette sécurité, comme tu dis, marche pour toi. Dis-moi que tu ne poses pas cette lame de rasoir sur ta peau fine en priant pour te l'enfoncer totalement. Dis-moi comment ton papa t'aide avec ça. Je ne demande qu'à comprendre. Mon père m'aime beaucoup. J'imagine. Avec chaque centimètre de sa virilité. Oh non. Je vais me coucher maintenant. Soyez partis quand je descendrai demain matin. Juste jalouse, Lisa. Parce qu'on m'a relâchée. Parce que je vais mieux. Parce que j'ai de la chance. Et une vie. Ils t'ont pas relâchée parce que tu vas mieux, Daisy. Ils ont juste abandonné. T'appelles ça une vie? Claquer l'argent de papa pour t'acheter des conneries dignes d'une gamine de 10 ans et manger ton putain de poulet pour engraisser comme une vache? T'as changé de décor, mais pas de situation. Le gardien fait ses visites à domicile, et tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il te baise. Ce qu'on ne sait pas, c'est que t'aimes ça. Hein, t'aimes ça? Arrête, la... Ah, ça va, un homme c'est une queue, un homme c'est une queue, un père, un poulet, un valium, un spéculum, tout ce qu'on veut, hein. Tout ce qu'on veut. Ça te plaît d'être Madame Ronton? C'est sûrement tout ce que t'as jamais connu, hein. Amusez-vous bien en Floride.